fraises. Oui. Non, non, vanille. Oh, avec une boule de framboise. Non, à la fraise. Allons-y pour la fraise. Oh, Angelina! Angelina! Qu'est-ce qui t'arrive? 3 boules de glace au chocolat, s'il vous plaît, madame, comme d'habitude. Mon plus grand rêve va devenir réalité, je suis si contente. Oh, c'est tellement merveilleux, Angelina. Alice, mais de quoi tu parles? Et voilà, les enfants. Merci. Madame l'épicière oublie toujours que je n'aime pas les cerises. Tiens, prends-la. Oh, tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Je suis sélectionnée pour le championnat de gymnastique de Souriville. Vraiment? Oh, Alice, c'est génial. Oh, et tu sais quoi? La gagnante sera prise dans l'équipe de gymnastique nationale. La grande championne Olga Sourikovic était dans cette équipe. Oh, Olga Sourikovic. Imagine, peut-être qu'un jour je serai aussi célèbre qu'Olga. Ah. Oups. C'est ça, Alice. Les pattes bien tendues. Le dos bien droit. Un peu sans la poutre, tu ne gagneras pas. Mais... je ne peux pas. J'ai peur. Allez, tu vas y arriver. Un peu de courage. Voilà. C'est bien. Une patte après l'autre. Regarde, tu as réussi. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas, Alice. Non. J'y arriverai jamais. Oh, Alice. Oh, et quelle classe, Alice. Tu n'as jamais eu l'occasion de rencontrer notre cousine Delphine Rosette? C'est elle qui va gagner le championnat de gymnastique. Zédé va trouver la place idéale pour mettre la coupe de championne. Regardez, je vais vous montrer que je suis la meilleure. Tu es la plus forte, Delphine. Oh non, non. Elle est beaucoup trop forte. Je suis sûre que tu vas gagner. Tu es une excellente gymnaste. Sans la poutre, c'est impossible. Regarde, Alice. Olga Sourikovic. Un jour, ton nom sera gravé ici. Mon nom? À côté de celui d'Olga? Oh, je ne comprends pas. Pourquoi tu m'obliges à m'entraîner sur cette corde? Parce que si tu réussis à garder ton équilibre sur cette corde, tu y arriveras facilement sur la poutre. Oh, bravo, Alice. Maintenant, en équilibre sur les mains. J'essaie. Je tombe. Tout va bien, Alice. Ne regarde surtout pas vers le bas. D'accord, je ne... regarde... Tu sais pas de soucis, tu gagneras sûrement. Le deuxième prix. Je suis vraiment nulle. J'abandonne. Pas question, Alice. C'est ce dont tu rêves depuis toujours. Je vais bien trouver quelque chose d'autre à faire, comme des bouquets de fleurs ou de la couture. Alice, tu te souviens le mal que tu as eu à faire ton premier saut périlleux? Ou manger des gâteaux. Là, je serai la meilleure. Au début, tu n'y arrivais pas. Mais à force de persévérance, tu as réussi à faire le plus beau saut périlleux de toute l'école. Oh, ça ne te ressemble pas de laisser tomber. Eh ben, c'est comme ça.
C'est un honneur pour nous que la grande Olga Surikovic soit la présidente du jury. Oh. Bienvenue à Souriville. Oh, mais c'est avec plaisir. Tu veux que je te dise? Tu aurais dû profiter de l'occasion pour faire sa connaissance. Oh, je m'en fiche. La note d'Alice Balada est de 9 sur 10 au bar asymétrique. Super! Bien joué, Alice! La note de Delphine Rosette est aussi de 9 sur 10. Que la dernière épreuve ne commence, précisons que Alice Baladin et Delphine Rosette sont toutes les deux à égalité. C'est la poutre. Oh. Et on sait toutes les trois qu'Alice est catastrophique quand elle monte sur une poutre. Oh, ma petite fille, tu as l'air perdue. Oh, c'est vous. Vous êtes là, Madame Surikovic? C'est que... je voulais prendre un peu l'air. Oh, quelle coïncidence. Je suis moi aussi sortie prendre un peu l'air. Quand j'assiste à une compétition comme celle-là, je me revois quand j'avais ton âge. Je parie que vous gagniez toujours. Hélas, pas toujours. Je rêvais d'être une très grande championne, mais j'étais terrorisée par les barres asymétriques. Les barres asymétriques? Oh, moi, je trouve ça vraiment facile. Moi aussi, avec du recul, mais une fois, j'ai raté ma sortie et je me suis cassé une patte. C'est vrai? Oui. Oh! Mais tu vois, si je m'étais découragée, je ne serais pas devenue championne du monde de gymnastique. Non, vous avez raison. Oh. Et voici un autre neuf pour Delphine Rosette. Tu as été formidable, Delphine. On peut déjà écrire ton nom au bas de la coupe. C'est au tour d'Alice Balada. Alice? Alice Balada? Mais où est-elle passée? Alice Balada? Alice! Mais où es-tu? Ah! Vous voilà enfin. C'est à vous maintenant pour l'épreuve de poutre. Courage, Alice! Le jury donne un 10 sur 10 à Alice Balada. Un 10? J'ai eu un 10. Oh, tu as réussi, Alice. Tu as gagné. Bravo. Championne, Alice. Bravo. C'est nous qui méritions de gagner cette coupe. Toutes mes félicitations. Et j'attends avec impatience que tu viennes rejoindre rapidement l'équipe nationale de gymnastique. Merci beaucoup, madame. L'équipe nationale? Tu sais, je suis tellement contente pour toi. Je ne pensais pas y arriver. Je n'y croyais pas. Et on pourra s'écrire tous les jours. Oh oui, tous les jours. Et on se retrouvera pour les vacances. Angelina, pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que je suis si heureuse. Je suis si heureuse aussi. Angelina, tu es seule aujourd'hui? Alice est partie ce matin. Pour une fois, je vais prendre une glace au chocolat, Madame l'épicière. C'est ce qu'Alice prenait toujours. Je suis désolée.
Je viens juste de vendre les 3 dernières boules de glace au chocolat. Oh. Tu ne veux pas une glace à la fraise? Si, je veux bien. Merci, madame l'épicière. Je me demande où peut être Alice en ce moment. Écoute, les vrais amis sont toujours proches. Tiens, voilà. Merci. Oh, la plus grosse glace du monde n'est pas aussi bonne sans sa meilleure amie. Oh, madame Binette oublie toujours que je n'aime pas les cerises. Oh, mais tu n'es pas... Oh, je ne comprends pas, tu es revenue. Tu devrais être avec Olga. Tu sais, Angelina, devenir une grande gymnaste, ce n'est pas aussi important que d'avoir une meilleure amie. Ou une glace au chocolat.